Alors Michel, ben, j'allais vous demander si vous aimez le décor des Choix de Sophie avec les petits bonshommes là, qui se promènent un petit peu partout. Oui. Un oui ou un non? Oui. Un oui. Alors ça tombe bien parce que la personne qui a créé donc, le décor des Choix de Sophie s'appelle Jacques Léveillé. C'est quelqu'un qui fait des décors pour des pièces de théâtre, pour des émissions de télévision comme la nôtre, mais qui est aussi un peintre. C'est très particulier parce qu'il fait ce qu'on appelle du surréalisme fantastique. Il a déjà fait une exposition à New York. Ses tableaux étaient tellement réalistes qu'on a fait venir des experts pour certifier que c'était bien des tableaux et non pas des photos peintes. C'est très particulier. Voici donc Jacques Léveillé. J'ai l'impression que c'est comme une sorte de lettre zen ou une sorte de prière à la nature que je fais. Quand je travaille minutieusement, des heures et des heures passent et je m'en aperçois pas. C'est un processus extrêmement long. C'est un homme qui s'est soumis finalement à ce douloureux processus de créativité par copier l'image du rêve, la transformer des trois dimensions en deux dimensions, mais en donnant aussi un aspect du trompe-l'œil qui, en voyant l'image, on vive la forme, la musculature, etc. On s'adonne dans le personnage, il ne faut pas se tromper dans la musculature, par exemple, dans le port de tête, dans l'expression, pas juste le côté aussi morphologique et physique, mais le côté intemporel de la personne. C'est une technique avec des couches superposées, donc il faut savoir que le travail ne sera pas achevé dans une seule séance, un seul jet. Dans son portrait de la femme japonaise, en regardant cette image, on sent pas juste la femme ou les portraits japonais, mais on sent tout le Japon. Dans mes tableaux, il y a un élément virtuel avec le côté figuratif, c'est que je ne veux pas juste décrire une belle image. Le côté virtuel amène cette dimension onirique et sous-jacente à l'image. Reste toujours que l'image est fixe, donc est une image réelle, parce qu'on peut la reproduire. Mais elle devient fantastique parce qu'elle saisit l'imagination de l'interlocuteur et dans cette façon, il est capable de fantasmer, si on veut, toutes sortes d'images qui peuvent être reportées dans sa mémoire. Le spectateur peut faire le tour du tableau et pénétrer dans le tableau pour aller rechercher ce qu'il ressent. Et ce côté onirique et énigmatique, ça lui permet, c'est la clé pour lui permettre d'aller plus loin. Si vous avez aimé les tableaux de Jacques Léveillé, sachez qu'ils sont exposés à la galerie Bernard sur la rue Laurier à Montréal jusqu'au 8 mai.